Madame, mademoiselle, bonsoir. Une nouvelle édition du kiosque avec quatre mapipis d'informations. On va commencer par Monsieur Marajo. Bonsoir. Qui sort, je crois, du colloque du CNESER. Oui, hein? Césaire. Du Césaire, Césaire. Césaire. Vous avez vu, toujours, chaque fois. Toujours la défense. On va en parler tout à l'heure. Jude. Oui, voilà. Antilla, petit chapeau, oui, grand chapeau, qui va nous parler plus tard de Distan et Créolade. Tout à fait. Le progressiste, Daniel Compère, bonsoir, qui nous a amené sa dernière livraison, on en parlera. Et puis, le ténor de Karl Marxien, Michel Brachy, grand semblé, sans faute cette fois-là, ouais. Nous frapper. Alors, on va, si vous voulez, commencer par le colloque. Il faut demander à Jodurantis si l'orthographe de ce titre est correct. Oui, parce que la semaine passée, on avait le droit à grand semblé avec un D à la fin. Aujourd'hui, on n'aurait pas mis le accent. On va discuter. Mais bon. On va y venir. Alors, colloque des 40 ans du Césaire, environnement, développement, l'heure des choix, jeudi 30 octobre. Donc, c'est aujourd'hui, puisque l'émission est enregistrée avant qu'elle ne soit diffusée. Elle sera diffusée demain soir. Comment ça s'est passé? Intéressant? Quels enseignements? Beaucoup de monde déjà, ce qui prouve qu'il y a en Martinique, et bon, on le sait depuis des décennies, mais il y a une grande gourmandise pour la connaissance. Mais ce qui était intéressant, c'est de faire le point sur l'état d'avancement, l'état des lieux de cette problématique majeure qui est la préservation de notre environnement, parce que nous sommes sur une île et que chaque fois que nous polluons, nous ne pouvons guère mettre à côté. Et nous avons le nez dessus. Et pour dire que bon, les choses se sont considérablement améliorées, à la fois en matière de déchets, de traitement des déchets, en matière d'énergie, en matière de traitement de l'eau et en matière de biodiversité. Mais les risques sont là tous les jours. En fait, ce qui est intéressant, ce qui ressort de ce colloque, c'est que, alors il y a des évidences, ce n'est jamais un combat gagné définitivement. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura de la pollution de leur environnement, c'est clair. Mais surtout, et ça va faire plaisir à Michel, c'est la mise en évidence qu'il y a une corrélation forte entre croissance économique et destruction de l'environnement. Et en fait, le changement idéologique qui est en train de s'opérer, c'est de déconnecter croissance économique et destruction de l'environnement. Utilisation de l'environnement. Refuser ce paradigme. Et le mot qui ressort, qui est intéressant, c'est la notion de modestie. Voilà, c'est pas arrêt de la croissance, il ne faut pas se faire d'illusions. Les gens qui gagnent 100 euros. Pas croissance zéro, quoi. Voilà, les gens qui gagnent 100 euros aujourd'hui ont envie d'avoir un confort un jour. Donc, et pour ça, il faut d'accéder de la croissance. Au développement. Voilà. Mais qu'on décroche, qu'on déconnecte la destruction de l'environnement de l'augmentation du confort et de la richesse. C'est un vrai pari. Du PIB. C'est un pari intellectuel et c'est un vrai pari scientifique. Donc, vous connaissez les businessmen, c'est un pari économique. Et cette transition énergétique demande beaucoup d'argent. La transition globale, pas seulement sur l'énergie. Tout ça nécessite des sommes considérables. Sauf si on dit, eh ben on change à la fois de réflexion, de regard sur tout ça. D'ailleurs, un exemple très concret, il y a des gens qui disent, je veux illustrer, parce que les gens vont dire, mais qui ça y aura à parler. Aujourd'hui, si on devait transformer toutes les voitures qui roulent en Martinique en voiture électrique, il faudrait deux fois plus de pétrole pour les recharger en électricité. Ça n'a pas de sens. Tandis que si on dit, si chacun de nous produit de l'électricité pour sa voiture, à travers évidemment c'est le solaire, c'est jouable. Voilà, donc on atteint le même objectif, mais avec des démarches plus intelligentes. Plus cohérentes. Voilà. Et puis alors, il y a aussi une... Oui. Jude d'Islande Créolade. D'Islande Créolade. Non, on se met au Créolade, attention. C'est ta dernière livraison. Oui, c'est Denis Pitia qui sont dit. Ouais. Confort, ah oui, vous voulez nous parler Créole. Ah oui, donc, clair. Alors, justement, on a signé nous parler Créole parce que Niavaï a fait que depuis le 28 octobre arrivé, tout le monde a parlé créole et puis le 28 à minuit. Le 28 au soir, ils ont fait des bizarres. Le 28 à minuit, on m'a cherché un bec, mais pour pitié créole. Ça veut dire qu'il faut nous faire toutes ces cosses langues. Oui, non, mais on m'a dit que nous n'y des pieds.
Donc, nous pas qu'à faire en créole, nous pas faire en créole et en français. D'accord. Pas ni plus problème. Non, mais ici, à temps en temps, Michel Capon a une petite locution créole. Oui. Et dit aussi, alors, pas ni problème. Il hein. y a un bagage qui. Alors, ça fait tigre, tu vois. Nous avons un tigre. Non, nous avons un bagage sérieux pour nous dire nous avons dit en créole. Nous avons choisi de dire en créole ou bien en français. Mais il faudrait ça pas qu'à venir à délai justement certains mouvements qu'on est. Là, il n'y a pas parlé, c'est peut-être parce qu'il y a eu prié. Il y a glissé un petit mot au créole. Alors, ça a fait que Mounta, il y a dit, ah ouais, mais ça n'a pas le créole. Mm-hmm. Mais ça n'a pas sérieux, ça. Bon, on ne peut pas le dire, d'Islande et créolade. C'est qui parle l'idée de faire le livre-là? Alors, d'abord, créolade, c'est qui ça? Créolade, c'est un mot qui n'est pas tamoué. Hein? Créolade, c'est un mot qui. Alors, c'est Xavier Ville, un mot qui j'ai bâti en pays sans chapeau. C'est monsieur qui créait Mounta-là. Créolade, parce qu'il était capable de dire justement ces bougla créolité a, et puis c'est un moyen pour dire bon, ils font des créolades. Donc si pour te dire, il y aura fait créolade. Bon, ouais. Bon. Et justement, mon manche est trappé Babouba et Tala, puisque moi-même, là, moi, pour mon Tala, certains mouns te comprennent que bon. Ou te le fait en blackball et puis Baïta. Voilà. Alors, créolade, c'est assez. Créolade, c'est qui ça? Alors, c'est vrai que peut-être meilleur moyen de dire créolade, c'est qui ça? C'est Ignan Boug, je ne m'ai pas dit non aujourd'hui. Fouchi. Non, je ne m'ai pas dit non parce que je tout connais lui. Monsieur a une habitude de mon travail blague comme ça. Alors monsieur a dit moi comme ça. Mais toute le blague que tu as fait là, il m'a matché. Et puis, il y a un jour, il m'a proposé en blague, entre guillemets, il m'a dit monsieur, mi blague là. Il a trouvé que Boukta a travaillé en TIA. Je ne sais pas connaître monsieur. Hein? Et puis, les m'a proposé une créolade là. Il dit moi, mais ça vient tout bonnement. Et moi bien envie, justement, c'est meilleur moyen, c'est peut-être, bah, yon, qui ça qui créolade, mi premier créole là qui sorti. Créolade senti, moi, pour prendre la rigolade, créolade senti rigolade dans bouglède qu'on capolade gavre devant pour y pas tomber malade. Pour mal qu'a dit pas prendre comme moun qui pas brasse blou babed, et puis moun qui la dje convirade. De laissant faire calvacade, moi qui dis des bagailles qui sont sérieux, même si mon pourquoi qu'on était plein assis. Si on a un mot qui chape, ça pas rien, c'est qu'on dit si on a un macaque. L'aide, pas méchant. Si il a fait la grimace, c'est parce qu'il sortit d'un trou pour macaque, des anti-bouc qui a fait geste macaque, parce qu'il a un masse macaque. Créolade, pour nous payer, et puis pour nous bien apprendre à matcher créole. Et l'aime que ça bien matché. Zot qui sa bien li, créolade, pour nous saper li, et puis surtout, pour nous rouler comme nous, en créola, sans nous salir. Parce que mon famille, te ka di moi, roule ti ko, mais pas salido. Créolade pas veut dire couillonade, même si de l'aimant que si, mais bon couillon, mais quand on te ka di, Rio avant yo Rio parce que vous parlez yo Rio. Mi anti mon créolade, et quand on kawes, et premier créolade ta sorti, 2004, ouais. Et puis depuis ça, il n'a pas arrêté dans Antilla. Et moi qui dis que tout qui a allant tout table là, moins tout. Nous c'est des analphabètes en créole. Oui, parce que nous pas apprendre ça à l'école. Hein? Non. Nous pas apprendre ça à l'école. Alors, je pas analphabète en français, ça n'a pas posé problème. Mais les gens disent analphabète en créole, ça a toujours posé problème parce que et nous n'y des langues dans le pays là. C'est ça le problème là. Je crois qu'il faudrait nous prendre conscience que justement, en général, les gens qui font un jour, les gens qui font un jour, c'est la gagne. Donc, maintenant, vu que. Je vais interrompre. Oui. En fait. Si nous pas des créoles là, si nous ne pouvons pas parler français, ce qui ça a été changé fondamentalement. On nous ça. Si nous pas ça écrit créole là, si nous pas ça parler créole là, ouais. Est-ce que bon les Nétiniens qui allaient dans l'immigration puis qui a vécu là-bas, est-ce qu'il y a pas de l'amio, est-ce qu'il y a pas des humains, est-ce que ça est indispensable? Pourquoi c'est indispensable que nous conseillons créole? Eh ben, moi je pense que ça est indispensable parce que ça ne fait pas partie de nous-mêmes, parce que les nous lever
le plus souvent, maman nous et puis papa nous, t'es capable parler créole, ben nous. Parce que le créole, ce n'est pas seulement l'anglais, c'est la manière nous qu'a comporté quoi nous. Mais la manière nous qu'a comporté que nous, et puis nous, c'est comment la gueule pas là après. Ça n'a rien à voir bien avant. Nous avons mangé des fast-food, oui. Nous avons roulé l'auto, nous avons pensé, nous branchons les RTL, les RTL, les RMC, nous avons sous championnat du football de France. Qui ça nous nie de à présent, qui ça qui restait nous n'y cause de yol, peut-être, mais nous ne pouvons pas y enfoncer. C'est un petit moment de jour. Côté cette dispense-là, qui est ce que fait ce qu'on a parlé, Michel? Je pense que Créole-là, ça a fait partie. De alors c'est un mot vraiment pas quelquefois m'a critiqué, mais il y a beaucoup qui parlent de ça en pile, c'est l'imaginaire, c'est la mythologie, c'est la manière, c'est la philosophie profonde, la manière de d'imaginer nous qu'avoir la vie. Et chaque peuple en manière du ouais. Alors, la vie, les contes, les légendes, ces contes, ces légendes, ils n'ont pas connu dans le monde. Moi, j'ai fait l'autre jour, anti-test, dans l'école karaté, moi, qui est en l'autre moment. Et ma camarade, moi, j'ai dit, mais racontez-moi, vous êtes connaître Fab. Malgré ça, qui sortit l'autre bord. Il y a une manière à jouer, il y a une manière à faire. Donc, alors, ça veut dire que c'est un combat, il y a une langue dominée, je pense que je vais analyser ça comme ça. Il y a une langue qui a dominé l'autre, bien sûr. Alors, pour la technologie, pour la science, etc., malheureusement, nous avons essayé, si nous pouvons parler d'économie et puis nous avons parlé du budget, d'être bien comme ça, nous avons essayé, nous pouvons parler de ça comme ça. Bon, mais nous ne sommes pas habitués, parce que nous avons qu'à admettre que nous formons nous comme ça. Daniel. Je n'ai plus de bâle pour moi, je n'ai pas de attaquer. Non, je n'ai pas de attaquer. Vous pouvez mettre l'école, vous savez que c'est la mettre là dedans, mais ça se mettre là dedans ou quoi. Oui, je sais ça. Non, déjà, bouillon, vous avez fait une journée pour créole. Bon, je ne sais pas si c'est bon, si c'est pas bon. Au moins, ça va permettre nous de parler créole. Donc, on va comprendre comme ça. Question, mais c'était, est-ce que c'est indispensable? Attends. Ça, pour le beau français, c'est consubstantiel que nous avons créole là, que nous encensons créole, que nous glorions créole. Est-ce que Pouchi, puisque Fanny a de créole encore, il dit de la créolité, enfin, ça. C'est ça, Mante Gavini, pour dire, est-ce que ça obligatoire? Est-ce que ça indispensable. Indispensable. Bon, moi, pas ça. Moi, ça m'a pas aimé, ça m'a parlé, c'est qu'il y a en dictature. Moi, je dis tout à l'heure, il a parlé qu'on a Ayatollah. Mais c'était pour taquiner. Je n'ai pas songé des côtés. C'est-à-dire que pour nous comprendre, c'est-à-dire que comme monde qui a dit tout. Je n'ai pas songé des réunions. Pas fait ça, mais voilà. Des réunions, je n'ai pas fait ça. Ici, c'est pour que vous parlez. Et je n'ai pas fait esprit de parler français. C'est ça. D'accord. Créole là doit être naturel. Avenir. En français, naturel. Quand on dit, nous n'y deux langues, on nous pratique, on nous fait les deux langues, tous les deux. Ok. Deuxièmement, pour des, ça fait matcher créole. Ah. Ça fait matcher créole, ça c'est l'autre bagaille. Ouais. Créole là dans Antilla, par exemple. Les mecs à l'Antilla, on va à l'Antilla chaque semaine. Mais c'est normal parce que il y a un lot de bagaille pour apprendre à dormir. Mais moi, quand je commence par les créolades, bon,
Parce que, comme on t'a dit un jour, mon passable, si c'était ici, là, en tant que ni Griffonté, hein, journal tout en créant. Raphaël Confiant. Raphaël Confiant. Édité par les bruits de justice. Oui, absolument. Matéon, c'est mon nom qui était calé Griffonté de A à Z. Parce que c'est mon nom qui était calé. Oui, oui, mais ça, ça y est, ça ne va pas comprendre. Ah, ouais, c'est tout. Hein, quoi, songer ça? Je dirais pas des créoles dragons. Que du créole dragon, exactement. Bon, eh bien, Maté bien, mais Griffonté. Parce que ça t'est calme, mais t'es moins adorable, etc. Moi, après une créole en la rue était à Saint-Ville. D'accord? Bon. Donc. Tout le monde. Tout le monde, nous pas apprendre ni l'école. Je t'ai qu'à interdit nous ça. Bon. Donc, dernier bail à mon élément d'égide, qui manière vous faites pour matcher créole? À ce qui ça ou basé quoi? Le Jurek. Alors, bon, je vais regarder le Jurek, mais c'est Jurek. Parce que le Jurek fait un travail. Je ne vais pas en apprendre écrit comme ça, parce que justement, ça fait écriture. C'est là que nous avons des problèmes, c'est là que nous avons un tiraillement. Mais je crois que justement, le direct mettait devant en écriture. Nous avons servi. Quand tout est écriture, il peut être ni problème ni en français, français A, pas le français A. Pour tu crois qu'on a écrit pharmacie, puis PH ou pas qu'on a écrit puis F. Et puis F. Bon, et puis nous pouvons prendre plein d'exemples comme ça. Yes. Les fils de mes fils, tous les dégâts écrits, même bah, là. Non, continue l'idée là. Mais ça m'a dit. Ça a évolué, ça, oui, ça, pour ça a évolué. Donc, ça veut dire que nous avons écrit, m'a accepté que écrit ça là. C'est un critique ça, pour ça, en langue. C'est en code, quoi. Parce que là, New York, m'a pas écrit N-O-U, m'a accepté, c'est N-E-W, et m'a dit New York. Donc, m'a accepté mon écrit, et puis m'a djoubaté, m'a roulé à dents. Donc, okay. M'a pas pris, okay. M'a pas pris grand qui ni à dents d'autres, mais m'a pas. M'a pas dit grand et dit, oui. Et dit créole et puis et développement économique. Ça a un sens, ça. Le père siffle pas. Non, mais moi, je n'ai pas les créoles. Non, créole, c'est en relation et puis en univers. Univers, ça existe en créole. C'est en relation entre en monde et en univers. Quand on a utilisé français, même bitin, même bagaille. C'est bitin ou bagaille? C'est plutôt bagaille. C'est Guadeloupe. Moi, j'aime bien bitin. Et ça, nous, qu'a essayé de faire là, au soir, c'est passer en information. Et quel que soit le manier, qui ou pas les français, qui ou pas les créoles, faut que ça sentit corps qu'a réussi à passer l'information de manière correcte. Et moi, j'ai pensé que la meilleure manière pour nous passer en information, c'est si l'on nous a senti qu'on est bien. C'est la manière nous a senti qu'on est bien. Si on a senti qu'on est bien en français pour passer en information, utiliser le français. Et si on a couteau? Peut-être, oui. Comprends-nous, pas couteau, mais au moins comprends-nous. Okay? C'est la modalité. Et au sens comprendre. Et je regarde comment je n'ai pas les créoles. Depuis mon épidémone que je aimais, que mon proche, je n'ai pas les créoles. Depuis qu'elle a commencé à venir plus loin, plus compliqué, je n'ai pas en français. Et c'est ça, c'est information moi qui a passé tout près, c'est information en créole, information moi qui a passé loin, c'est information. Dernière française. Question, et puis strictement celle-là. Donc, développement économique, ça plus compliqué. Oui, mais c'est induit. Dernière question, et puis nous qui a passé autre chose, sans un petit peu dirigé, parce que nous n'y a un programme, et moi, là, que Michel parle de cette bagaille, comment, est-ce que ça facile de. Est-ce que ça n'est pas plus facile de poétiser, comprendre en créole que c'est lié à cette question-là, la poétiser, pas rigoler, mais enfin plus littéraire, plus comprendre en relation, moins technique, moins technologique. Est-ce que la panille là en butoir, là, net?
À quel niveau gardez du tout? Ben Michel t'a dit en communication pour faire, Michel Bosch, oui. Il dit en communication pour faire non, mais, au conseil municipal là sous le budget, il gardait tout dans tout sens et puis finalement mais ça plus vite que vous. Alors mon cas pour là. Fabi oui pour enfoncer du bon. C'est normal. Tu peux dire ça normal. Mon cas dit ça normal parce que si nous pas apprendre en langue, nous peut pas parler. Et si nous pas surtout l'écriture. Ouais. Nous peut pas si nous pas apprendre écrit bon parce que il n'y a pas que nous fait c'est que nous intégrer en logiciel. Depuis nous en texte, même si c'est un texte en espagnol, nous avons lu et puis j'ai français parce que nous n'y donc en chimie française. Nous n'y en chimie français. Et moi je pense que les petits créoles là, il suffit que nous mettions des débats en place. Ça va venir tout seul. Très bien, donc, la réponse est bonne. Voilà. Le Chili est devenu le mercredi 30 octobre le premier pays d'Amérique latine à cultiver du cannabis à des fins thérapeutiques. Il est prévu la distribution gratuite d'une huile d'extrait de cannabis à quelques 200 patients malades de cancer. Ces derniers feront l'objet d'une étude clinique pour vérifier les résultats thérapeutiques du traitement. Wait and see. Camille Gustan, héros de la dissidence, en est allé. On a repris la décision. On m'a dit, on c'était moi, mais ça qui était d'accord, que nous ne parlions chaque fois de ces grands noms-là. Parce que même si c'était Conception Yo, c'était les FFL, c'était Bleu, Blanc, Rouge et tout, mais c'était des hauts. Ouais. Donc, quand on a parti la nuit, descendre la Dominique pour en bas, tout monter là-bas, nous pour respecter ça, parce que c'est ça qui a monté nous en prison. Donc, il a rejoint les forces françaises libres aux Antilles le 14 juillet 1943. Ses obsèques ont été célébrées à la cathédrale de Saint-Pierre. Là, il était caresté. À l'âge de 94 ans, il est décédé. Il a fait partie du bataillon d'infanterie coloniale de la Martinique. Il a été nommé chevalier de la Légion d'honneur. Il a servi 32 ans sur les drapeaux parce qu'après, il a fait une carrière. Ouais. Et puis après, il travaille la municipalité, enfin, pas la municipalité, au conseil municipal en tant qu'élu. Quoi. Il travaille le social, etc. Et qui ça a empêché de nous penser Bouctard comme héros? Comme héros, quoi. Bon, que même parmi les jeunes, que nous considérions que c'était les héros de la nation martiniquaise, mais si en total de Gagoumé ou de la nation française. Quelle est la gêne? Non, Daniel. Pas ni gêne. C'est que c'est tout ça qui a concerné l'histoire, le passé, la transmission. Voilà, c'est le mot à la mode. La transmission, il faut continuer à transmettre. Il y a des Martiniquais, moi qui apprends français, il y a des Martiniquais qui ont donné leur vie pour un idéal, c'est pas forcément le mien, c'est pas forcément le nôtre, mais c'est un idéal, ils se sont battus pour les idées, ils sont allés au bout de leurs idées, ils se sont donné corps et âme, c'est le cas de le dire, et il est bon que les jeunes soient au courant de cela. Bientôt, il n'y en aura plus de ces anciens-là. Hein. Bon, la guerre 14-18, il n'y en a déjà plus. 39-45, il y en aura plus. Quand on parle de transmission, il y a un moment où la transmission a été, peut-être sous l'effet de l'idéologie, des débats politiques, qui a arrêté d'être faite. Tu veux dire un mot là-dessus? Oui, justement, c'est-à-dire que les gens qui ont eu une position à ce moment-là, ils se sont engagés. Chose justement aujourd'hui. Que l'on ne voit plus. En tout cas, moi je crois que justement il faut regarder ces gens-là avec nos yeux d'aujourd'hui, mais en essayant de voir dans la période où ils étaient. Quelle était l'importance de ce qu'ils faisaient. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on ait non plus le travers de la nostalgie permanente. C'est vrai. Et que la nostalgie nous autorise à culpabiliser le comportement des gens d'aujourd'hui. Je pense que, à la limite, je serais presque forcé de dire heureusement que les gens s'engagent moins, tout simplement parce que l'environnement est calme. Tu vois, les gens s'engagent moins parce qu'il y avait la guerre. Heureusement que l'environnement ne requiert pas cette agression. Voilà, si on peut considérer l'engagement comme un thermomètre de la paix dans le monde. Moyen d'engagement, vous avez vu, moyen d'engagement, moyen de guerre. Par contre, notre capacité, et c'est ça qui est plus intéressant, notre capacité à non pas nous engager, mais à être solidaire, c'est ça qui est intéressant, à être solidaire au quotidien, ne serait-ce que par exemple ce qu'on fait là ce soir, et parce que bon, allons quand même s'envoyer quelques fleurs,
mais ne serait-ce qu'une fois par an. Nous le faisons gratuitement. Il faut quand même qu'on rappelle ça aux téléspectateurs. Nous le faisons gratuitement. Et c'est aussi un esprit de solidarité. C'est réfléchir, débattre, transmettre de l'information. C'est une forme d'engagement. Et je voudrais faire renaître cet engagement au quotidien et ne pas le comparer à effectivement un engagement majeur qui est celui d'aller se battre pour sauver la liberté. Mais c'est, tous les deux sont valables. Non, mais je pense que c'est, nous t'es échappé, nous les cinq là, nous t'es parti. Mais nous t'es allé. Nous t'es allé. C'est bon, pas une pièce d'autre, nous t'es allé. On t'a le doigt, quand même, c'est que tenir des motivations diverses. Bon, moi, quand je prends Fano et puis Manville, ils ont parti, c'est l'engagement contre l'envahisseur nazi. Et puis, ils étaient contre l'amiral Robert. Ouais. C'est-à-dire que tenir une situation de dictature et de contrainte, de négation de la liberté en Martinique. Et après, eh bien, c'est des boucs qui ont continué. Fanon continue dans la combat anticolonialiste. Algérie. Contre ses Français. et en ville, même manière. Non, mais Rivé, côté, il voit qu'il était trop écoyé. Hein. Rivé, là. Ah oui, ouais. Et puis, dans l'armée, tout ça, puis bon, il voit les contradictions, l'armée française, le racisme, etc. Bon, bref. Il finit bien ça. La tradition de la revue de presse, à tout seigneur, tout honneur, commence par le progressiste. Avec une belle une, avec Serge Letchimy avec ses belles dents d'or, très belle dentition, mais pas c'est beaucoup vrai. De cheveux. Ah non, il était déjà fâché en fois pour ça. Monsieur qui est fâché contre toi, c'est pas pour ça. Ah ouais, j'avais chambre là, il parle pour ça. Bon, quand il s'est fâché, ça m'a fait dire, très bel homme. Très bel homme. Mi-pays, moins jeudi. Avec une une, belle une. C'est rare. Il faut quand même qu'on rappelle. Allons rappeler aux téléspectateurs, parce qu'il y a des jeunes. Ils vont bien comprendre cette histoire de Letchimy. Mais t'as pas content. Non, mais attends, alors, nous le nip dit. C'était fâché. C'était un colloque. Et de Belgian dit, on ne va quand même pas instituer une taxe sur les chauves. Et Letchimy a pris ça pour lui. Ah, oui. Il pète des packs. il dit pas pour lui. Alors, donc, il y a un très bon article donc, qui est annoncé dans la une. À la une, non, où est-ce que j'ai pris ça? Peu importe, enfin, on va en parler tout à l'heure, c'est de Jean Cruzol, apprécier avec justesse la politique touristique. Et puis, il y a cet article mi-pays, moins jeudi. C'est la détermination sans faille de Serge Letchimy. Pourquoi vous faites toujours de la pub comme ça, comme si vous vendez des lessives? La détermination sans faille de Serge Letchimy. Si nous y mettait mi-pays, moi je dis, et puis le texte de Letchimy, qui l'a fait? Écoutez-moi, réponds-nous. Ouais, ouais. Si nous ne faisons pas de la pub, comme tu dis. Qui va la faire, vous toi? Qui va la faire? Donc, c'est pas Michel. Voilà ce qu'il nous explique. Non, mais chaque monde a fait pub pour Israël. Mais une gondille, ça fait simplement. Enfin, je continue. On est quand même dans une dialectique politique pure. Donc, Letchimy nous explique que dès 2010, il a compris qu'il fallait faire de la commande publique le levier de son, je reprends une deuxième formule, c'est pas celle qu'il utilise, du développement, enfin du redémarrage, pour dire non à la spirale du sous-développement, précarité, avec les conséquences, chômage, etc. Il explique que le monde qui vient est incertain, vous allez voir où je veux en venir, et qu'il ne pourra jamais le soumettre à des plans. Vous savez, mon dada, c'est que dans tout ce qui va se passer là, on va se lancer des fleurs, des nation sans faille. On va dire que l'autre sent mauvais, qu'il est méchant, qu'il est vilain, qu'il est autocrate et tout. On va mettre deux camps qui vont se battre en champ de faïence. On va avoir des sous, on a des sous, comme ça nous est arrivé en 2010, on n'a pas de sous, donc on ne pourra à peu près rien faire. On va arriver aux élections, on va gagner ou bien on va perdre, et puis on va recommencer pareil avec la collectivité unique. Alors si de tout ça, il n'y a pas un projet qui se dessine, une idée de ce qu'on va faire avec cette jeunesse, et puis avec moi, avec toi, avec nous, ça va être encore un grand truc, un grand combat de coq qui vas-y. Je suis contre cette idée-là. Je suis contre cette idée parce que j'ai beau regarder dans toutes les archives historiques, dans tous les combats qui ont été menés, il n'y a pas de projet écrit. Ça n'existe pas. Il n'existe pas de parti politique qui arrive en dehors justement de l'extrémisme et du nazisme, du fascisme. Il n'y a pas de projet écrit. Et c'est tant mieux. Parce que si on arrive avec un projet écrit, ça veut dire en clair qu'on ne tient pas compte. Des réalités qui sont mouvantes et changeantes. Non, pas de la... Oui, de la... Attends, téléspectateurs n'ont pas entendu le dernier mot que tu as prononcé. La réalité qui est mouvante et changeante. Voilà. Non, nous sommes d'accord, mais attends, je ne demande pas un plan avec un petit plan. Si le plan à l'époque... Tu demandes quoi? Je demande qu'on ait une idée
du monde dans lequel on va vivre, du style de développement, de la relation humaine. Non, ça ne s'appelle pas comme ça. Alors, appelle ça un projet, si tu veux. Un choix de société. Un choix de société. Voilà, un choix de société. Mais voilà. Et ce qui est intéressant… Allons prendre le mot choix de société. Eh bien, alors, reste sur ça. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est quel choix de société ? Non, c'est avons-nous vraiment le choix du choix de la société ? C'est ça ? Bon, alors… Voilà, c'est ça le débat. Bon. Si on a le choix… Chacun va présenter le sien, mais si on n'a pas le choix. Alors, à la partie sur le premier terrain, c'est que chacun des protagonistes, on est avec celui-là pour l'instant. Il en manque d'autres. Ça va venir, tout est là. Si on a le temps, vous prenez assez vite. Oui. Il nous dit qu'on aura le choix de société. Qu'avec la collectivité unique, pourquoi ? Parce qu'il nous dit qu'il doit affronter cette collectivité unique, donc ce monde nouveau qui va territoriale. Alors, on ne va pas perdre de temps. Non, mais... Avec le sens des responsabilités, l'ardeur au travail, la capacité à imaginer du nouveau, il faut penser l'avenir et que c'est tout le sens du plan à venir. Parce qu'il y annonce un plan quand même. Le PADM. Le PADM. Plan d'action pour le développement de la Martinique. Qui sera présenté à Rimpignan le mois prochain. Voilà. Et il dit que ça veut pas dire s'abstraire des contraintes du présent, qui est chômage, difficultés, ni non plus. Alors, là, je suis d'accord avec lui. Il dit qu'il faut à la fois avoir les pieds dans le présent et puis se projeter dans l'avenir. Donc on attend cet avenir qui sera le PADM. Parce que lui, il annonce un plan. Il annonce un choix de société. Exact. Bon. OK. Le choix de société sera Je vous ai rappelé la semaine dernière que ce n'est pas un plan. Il l'appelle peut-être plan, mais ce n'est pas un plan. OK. C'est à l'intérieur des structures. Le bon plan de la personne que tu. Alors, moi, ce que tu sors dans le secret des dieux, alors, pour t'aider, nous, plan. Si j'ai travaillé dessus, donc je peux vous dire ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas un plan. Alors, il y a une posture politique. Politicienne derrière tout ça, mais la réalité c'est pas ça. Contrairement aux autres plans qui ont existé, c'est un truc très pragmatique, très technique. C'est un changement, effectivement, c'est un changement de posture, mais c'est un truc technique qui dit voilà ce que j'ai comme argent dans la filière, prenons une filière agroalimentaire. Quels sont les projets que nous pouvons faire ? Ce qu'on nous annonce, c'est une façon d'agir qui va s'appuyer sur de nouvelles formes de coopération, de nouvelles formes de réponse aux besoins qui s'appuient sur la mobilisation de l'épargne, OK ? Sur le bénévolat. Oui, mais ça, c'est du chamoiseau. Ça veut dire, en clair, tu as plusieurs projets, là, et puis tu essaies de trouver une cohérence au projet. Donc, tu sors un mot, toi, coopération, nouvelle posture. Sociabilité ancienne. Voilà, etc. Mais c'est pas ça. Il ne faut pas prendre ça au sérieux. Mais non, c'est pas ça qu'il faut prendre. Attends, c'est pas les concepts qu'il faut prendre. C'est les petites composantes du concept. Il doit avoir une relation entre le concept et puis les composantes. Mais non, ça c'est de la politique politicienne. Les mini-crèches. Je donne un exemple. Allons plus loin. Les mini-crèches. L'idée, c'est quoi ? C'est un exercice intellectuel formidable de dire on va multiplier les mini-crèches parce que ça permet d'apporter une réponse sociale à un besoin. Mmh. Et puis, tu as le politicien qui dit « Bon, ça fait une mini-crèche, alors qui ça nous peut prendre pour nous peut parler politique ? Ben, c'est mon nom. » Parce que, tu sais, c'est très compliqué de dire. Et puis, c'est très chiant pour les politiques de dire, voilà, je vais faire des mini-crèches. Là, je vais mettre des giratoires. Ici, je vais mettre des ponts. Dans notre microcosme, c'est fatigant intellectuellement. Mais pour les gens, au concret, de dire, ah, OK, M. Gaffamba, qui est bien là parce que nous t'abusons un pont là. Mais on parlait du français. Ouais. Tu as dit, il y a un chemin français dans notre tête. J'adore cette expression fondamentale. Le chemin français dans notre tête nous dit que ce n'est pas la peine de citer des exemples, ça fait catalogue. Il faut un concept pour que vous nous compreniez. Le problème, c'est qu'il faut nous arrêter bizarre avec concept. Qui ça aura fait bon moins pour demain m'en vivre mieux. On va revenir tout à l'heure sur l'article. Tu vas parler. Tu as bien vu à mon sourire. Ouais. Alors, je pense que c'est une volée de mots. Et que, Le concept. Oui, moi, je pense qu'il faut être concret et parler des réalités martiniquaises. Alors on y va parce qu'on a justice qui va nous parler des réalités. Tout à fait. Alors une petite citation. L'analyse concrète de la situation concrète. Lénine. Une petite citation que j'ai trouvée, mais qui n'a rien à voir avec tout ça. C'est la suivante. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Antoine de Saint-Exupéry. C'est la politique. La politique, c'est rendre possible ce qui est nécessaire. Oui, tout à fait. Alors dans cette
cette dernière édition de Justice, ça avait un édito de Fernand Papaya qui va être concret, tu m'as dit. Hein. Ouais. Est-ce vous parlez? Vous parlez? Non, mais vas-y. Bon. Alors, il parle de l'urgence d'une alternative crédible qui s'offre là, avec le Grand Assemblée, avec la collectivité territoriale de la Martinique. Et il dit qu'il faut réaliser le rassemblement le plus large des forces anticolonialistes sur un projet politique clairement défini, ensemble, afin de créer. Tu m'as dit qu'il va être fait. La dernière fois. Mais je vais te le demander à chaque fois. Qui joue à commencer, qui joue à porter le choix de société. Je t'ai répondu la dernière fois que chaque partie a son il s'agit d'un rassemblement où chacune des formations a un certain nombre d'orientations, que certaines se recoupent, certaines sont différentes, et qu'il s'agit d'abord de les rendre cohérents et surtout de les adapter à la situation telle qu'elle a évolué. Vous avez déjà prévu un programme ? Bien sûr, nous sommes en train de travailler dessus. Et tu as cité par exemple le Timi qui a parlé des conditions dans lesquelles il est arrivé au pouvoir. Il a dit qu'il est arrivé au pouvoir, que la situation était catastrophique à cause de ceux qui avaient précédé. Bon. Il n'a pas dit ça tout à fait. Oui, de l'immobilisme. Alors, je voudrais revenir un petit peu là-dessus parce que faire le lien avec aujourd'hui. En réalité, en 2010, la Martinique était au sortir d'une crise majeure qui avait commencé en 2005, 2006, 2007, 2008. Et c'était absolument, exagéré de rendre responsables les deux collectivités qui étaient au pouvoir de la situation martiniquaise. Et aujourd'hui, les difficultés que rencontre le Timi à prouver qu'il a créé 5000 emplois, résulte. On fait la revue de presse là, de quoi tu me mets là. Précisément de ce manque d'appréciation. On fait la revue de presse. Alors, oui. Donc dans cet article de Papaya, Donc il nous explique que le Parti communiste estime devoir obtenir l'adhésion de larges couches des classes populaires martiniquaises. Pour faire un projet. Mais ça va, on comprend l'âge que vous voulez voir, dans lesquels c'est, est-ce que c'est la colle blanche, le grand débat, la classe ouvrière, on ne va pas le prendre là, c'est la couche populaire. Bon, mettez ça au là-dedans. Bon. Une autre politique, pour notre pays, vous cherchez une autre politique que celle du. Alors, une autre politique que. C'est-à-dire, vous ne dites pas que vous voulez une politique, vous dites une autre politique que. Ce qui est une autre politique que celle du gaspillage, du clientélisme, du saupoudrage, de la communication à outrance, etc. Et pour cela, il faut travailler à l'émergence d'une nouvelle majorité pour gérer les affaires de la Martinique. Bon, je ne vais pas exiger un programme, parce que tu m'as dit qu'il est en préparation. Il faudrait quand même l'amener ici en priorité. Parce qu'on est un choix de société. Je ne veux pas que je dise programme. Et en conclusion, vous dites lever debout pour sauver pays nous. Oui. Et vous donnez rendez-vous, je fais la pub pour toi maintenant. Vous donnez rendez-vous à la rentrée du PCM le dimanche 9 novembre 2014 à la FOL, route de Didier à Fort-de-France. Bon, il faut que les gens viennent vous écouter, vous tout-lupiner, vous interroger comme je fais. Mais c'est ça qui fait la vie. Démocratie participative. Ok. Bon. Tout à fait. Bah, c'est pas loin de chez toi. C'est pas loin de chez moi, tu vois. Moi, je pense que il est bon qu'il y ait des gens de formations différentes. Nous sommes des Martiniquais et nous sommes confrontés à une situation, à notre avis, en tout cas exceptionnellement difficile et grave, et que, certes, un parti politique, le rôle d'un parti politique, c'est d'apporter des idées sur la table, de ne pas venir simplement. Bon, mais aussi, il faut échanger avec les gens parce que beaucoup de Martiniquais ont aussi des opinions, des idées sur la manière dont on peut sortir le pays de. Des raisons d'édition, grand mot. Enfin bref, on fait le commentaire des articles d'Antilla a sauté, mais de mémoire, je peux vous dire qu'il y a une excellente analyse historique de Bruno Lara. Ounoulara, qui justement explique la naissance de l'idée de départementalisation et dans le contexte géopolitique de l'époque, d'après-guerre, comment il fallait le faire pour que les Nations Unies ne mettent pas leur nez, et qu'en réalité c'est là la source essentielle, et comment de Gaulle, l'une des sources essentielles, j'ai dit la source essentielle, donc il y en a d'autres, qui font qu'on s'est retrouvé département, très bon, long, documenté, article de fond. Il y a aussi un grand courant
qui menait à cette revendication, qui est issue aussi de tout le 19e siècle martiniquais. Oui, naturellement, mais je t'explique comment on n'aurait pas obtenu s'il n'y avait pas eu une volonté délibérée de Gaulle, et puis à notre dos, comme d'habitude, c'est toujours l'effet extérieur qui favorise l'émergence de notre Assemblée unique, qui a vu comment on l'a eu. Enfin, allons pas prendre ce débat-là. Ouais. Les socialistes suppriment les élections prud'homales. J'ai eu les formations dans justice. Tout à fait. Ils ont décidé finalement, ça coûte centaines de millions d'euros, je crois, à tout le monde, donc de faire désigner les conseillers prud'homaux avec les principes du Code du travail sur la représentativité des syndicats. Mauvais choix. Naturellement, la gauche démocrate, la gauche, je ne sais plus quelle gauche c'est, critique ça encore. Qui est à gauche? En tout cas, vous critiquez fortement cette décision. Parce qu'il vaut mieux que les juges prud'homaux soient élus. Et que et que ces juges aient plus de légitimité à l'issue d'un suffrage. Un article. Votre justice, il faut que tu le lises. Hein. Il est très technique. Non, mais je suis abonné. Ouais, je le reçois, il est dans la veille de presse qu'on réalise. Il y a notamment un article qui est intitulé de la façon suivante. Jean-François Lafontaine voit la vie en rose, une petite baisse de 339. Personne qui n'efface pas la hausse continue depuis mars 2010. On ne va pas rentrer là-dedans, c'est excessivement technique, mais Michel Letry, quoi, sur une intervention où il dit finalement on a créé des emplois. Michel lisez, relisez, parce qu'il n'a pas fait dans la dentelle, ni dans la facilité, quoi. Il comprend les termes techniques. C'est un excellent article sur la précipitation de Jean-François Lafontaine avec des on sent que c'est des brouteurs, quoi. Au sens bouc à faire combat l'épée. On sent que la campagne électorale. Ah, totalement. C'est déjà commencé depuis longtemps. sur la baisse. Alors, je vous dis, le truc de cet article, c'est que la baisse du nombre de demandeurs d'emploi de 339 personnes en septembre 2014 en Martinique, ouais. Alors que le chômage poursuit sa hausse en France, à partir de là, effectivement, les gens du plateau ont pavoisé, ont dit c'est nous qui avons fait ça. Et puis, de l'autre côté, Michel a dit bon, vous vous trompez, vous vous plantez, vous prenez des dates. C'est pas scientifique, quoi. Et il a des formules très fortes, je vais essayer de les retrouver. Et en conclusion, il dit, nous avons déjà dit, ironiquement, c'est Michel Bonchy qui parle, le chômage sera vaincu en Martinique quand il n'y aura plus de Martiniquais et la nouvelle gouvernance pourra chanter victoire. Il s'amuse, comme un petit fou. Oui, parce qu'un des facteurs, d'ailleurs, qui a été mis en évidence par le directeur de l'Institut de statistique régionale, c'est que la baisse de la population et le vieillissement peut provoquer une baisse de la population active. Ouais. Et qu'on peut très bien avoir à un moment donné une baisse du nombre de chômeurs sans avoir de baisse du taux de chômage. Ouais. Donc, et que par conséquent, la baisse du chômage n'est pas nécessairement le signe que le pays va mieux, mais c'est le signe que le pays est en train d'agoniser. En train de mourir. Voilà. On continue, puisque je suis sous toi toujours. Apostrophe la statistique et le mensonge. Selon Benjamin Disraeli, un premier ministre anglais du 19e siècle, il y a trois sortes de mensonges. Les mensonges maudits et la statistique. Ça, c'est pour moi. Ça. C'est pour toi, ça. Hein. En l'occurrence, c'était pour Georges Parra. Oui. Là également, et Georges Parra. Mais tu as vu qu'il étrille Georges Parra et de temps en temps, il lui rend hommage. Oui. Tu as vu, par exemple, quand Georges Parra est avec Sudri, dit ce qui menace le plus la Martinique, c'est le creusement des inégalités, il applaudit. Et puis de l'autre côté, quand Georges Parra fait son job de communicant en disant « bon, ça va un peu mieux », il y a 6 ans. Oui, mais il lui dit je le cite encore, « ne pas se servir de l'économie en donnant le caractère de science à des choix politiques et idéologiques ». Parlons de… L'économie est politique. L'économie est politique. Oui, juste une petite truc sur les statistiques. Un de mes amis qui participait à ICAR avec moi, l'information qu'il avait, non, c'est pas Bruno Marais, c'était Roland Pichon. Roland Pichon, ouais. Roland a écrit un jour, les statistiques c'est comme le bikini. Ça montre tout, mais ça cache l'essentiel. Tu vas retenir. Dimanche 26 octobre à Ducos, la vraie gauche a frappé un grand coup. Encore la vraie gauche, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas quelle est la vraie, forcément, mais elle est tout bonnement. Non, mais ne vous inquiétez pas, on est sur une
Campagne électorale. Voilà. Alors, il s'agissait de mobiliser le peuple martiniquais autour d'un programme de développement qui lui sera soumis le moment venu. Ouais. Il y a une intervention de Marie-Hélène Léotin. Alors, une petite question. Hein. Dans cette vraie gauche, pourquoi ce sont ces gens-là du CNCP qui sont là et pas les autres? Vous ne mêlez pas de régler les problèmes. Pourquoi les autres ne sont pas venus? Les avez-vous invités? Je me mêle pas. Je te dirai franchement que je ne me mêle pas des dissensions qu'il y a au sein de l'organisation CNCP. Bon, ce sont ceux-là qui acceptent de faire l'alliance, qui sont depuis un certain nombre d'années dans ce qu'on a appelé le camp indépendantiste, le camp patriotique. Bon, aujourd'hui, ce rassemblement réunit à la fois des gens qui se considèrent comme des patriotes et d'autres personnes qui sont des anticolonialistes et des autonomistes. Quoi, en gros. Alors, si j'ai bien compris, tu as le RDM. Le RDM, il est auto-autonomiste. Tu as le Palima. Palima, ils sont indépendantistes. Tu as le CNCP. Tu as le MIM. Je les appellerai institutionnels, ce n'est pas les autres. Comment ils sont? Ils sont indépendants. Canal historique. Bon, tu parles. Non, je parle du rassemblement de la vraie gauche. Comment vous appelez ça? Alors, ce rassemblement s'appelait au départ le rassemblement Martinique pour le changement. Maintenant, il s'appelle le rassemblement des patriotes, des anticolonialistes, des démocrates, partisans de la responsabilité. C'est pas bon. C'est pas ce bon. Que veut dire. C'est pas pour la communication. C'est pour la communication, c'est pas bon. Déjà, vous partez mal, là, la communication. En 2010, on avait fait un bid ensemble, j'y étais. Je ne renie pas, mais là, vous commencez mal. Je te réponds, ce que veut dire, ce qui rassemble ces gens, ce sont des gens qui pensent que la question de la responsabilité martiniquaise, de l'autonomie, de changement de statut, l'acquisition d'un pouvoir martiniquais demeure une question essentielle. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de moratoire. Qu'est-ce qui permet à ton secrétaire général, mon ami, notre ami, ton camarade et mon ami Georges Richeux, d'écrire que il faut faire donc ce rassemblement pour ne pas laisser ne pas faire une ouverture, ne pas faire un boulevard à nos adversaires qui seraient la coalition, je le cite, hétéroclite en place actuellement à la région. Pourquoi c'est plus hétéroclite que ce que vous avez constitué? Parce que précisément, ce que je viens de dire, c'est que ce rassemblement est basé au moins sur cette idée de la responsabilité martiniquaise. Alors que dans l'autre rassemblement, il y a des gens, par exemple, on va parler de l'autre rassemblement, il est basé sur quoi? Il est basé sur l'irresponsabilité. Il est basé sur. Il n'a pas d'option, notamment sur ces questions-là. Par exemple, je prends l'exemple, les socialistes sont assimilationnistes. Bon, le Parti Socialiste est pour la départementalisation. Et avec un parti qui s'appelle le PM, qui dit qu'il est toujours pour l'autonomie. Vous avez des gens qui sont de droite. Mais pour comment gérer. Non, mais attendez, pour gérer une collectivité, où est-ce que. Puisque quand Lise dit que. Quand Lise dit dans son interview à Antilla récemment que la question du statut, la question de la souveraineté, la question du changement de statut, elle est complètement elle est tout à fait hors sujet. Bon, alors. Ça l'enlève donc de votre. Non, je réponds très clairement. Il s'agit de se mettre d'accord pour la gestion d'une collectivité, mais nous avons comme objectif de la gérer dans l'optique d'aller vers plus de responsabilités pour le peuple. Mais ce n'est pas ça que dit Claude Lise. Il dit qu'à l'étape actuelle. Un magazine majeur qui est Antilla, du statut est hors sujet. Non. Alors, c'est sérieux dans ce moment. Non, je suis sérieux. Pourquoi vous appelez ces gens hétéroclites? Parce que la présence de Claude Lise, honorable Claude Lise, fait que votre groupe est hétéroclite aussi. Non, pas du tout. C'est deux groupes hétéroclites qui se regardent dans Chaîne Faïence. Pas du tout. Ce sont deux groupes qui ont une cohérence sur, je répète, sur la question de la responsabilité martiniquaise sur laquelle ils s'engagent. Et ils se sont engagés en 2010, ils n'ont pas varié depuis. D'accord. D'accord, c'est bon. Okay. Je ne prends pas la peine de répondre, je ne suis pas d'accord. Forcément. Non, il ne faut pas. Non, parce que accaparer le mot responsabilité. Tu as dit que tu préfères ne pas répondre. C'est vrai, tu réponds. Accaparer le mot responsabilité, c'est outrancier. Ah bon? On va dire ça comme ça. Comme accaparer le mot patriote, c'est outrancier. Je ne suis pas moins patriote que les gars du MIM. Ou prendre le mot. Ce sont les actes qui le prouvent. Bon. Alors. Au-delà de ça. Au-delà de ça, parce que bon, c'est clair que l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est de contrôler le pouvoir politique, donc derrière l'ensemble des autres pouvoirs, en particulier le pouvoir de décision économique, de décision sociale, etc., de pouvoir gérer pendant 6 ans 6 milliards d'euros à injecter dans l'économie. Okay. C'est ça l'enjeu, on va dire, simplifié. Au-delà de cet enjeu-là,
La vraie différence, c'est entre des gens qui auront compris qu'il faut avoir une attitude qui est une attitude pragmatique et moderniste, et non pas une attitude conservatrice et renfermée. Voilà le choix. On parlait de choix de société. Voilà le choix. OK ? Or, ceux qui, dans les deux camps, parce que c'est dans les deux camps existe cette dualité. Dans le camp de l'Alliance pour le marketing nouvelle, il y a des gens qui sont conservateurs et renfermés sur eux-mêmes. Et il y a des gens qui sont ouverts au monde et modernistes. De l'autre côté, idem. Idem. Le combat se situe d'abord à l'intérieur des deux camps. Et on verra qui aura gagné au moment où les listes vont être constituées. Et c'est là qu'on verra si le choix de société a été opéré. J'ai trouvé le chemin de fer, en fait, de Nantilla, c'est entrer dans la vie de Joby pour le prochain spectacle de notre ami Joby, notre compteur, Joby Bernabé. Il n'est pas compteur. Il est 10 heures. Oui. Exactement. Grand Semblé, alors, j'ai pas la version papier, mais on voit Nilor un peu fustigé, Nilor un petit peu flagellé, et puis un Marie-Jeanne flamboyant. Grand Semblé a fait le Marie-Jeanne interpelle publiquement Nilor. Point fort, Oruno Lara, 44-46, un important mouvement de l'histoire de France et des Dômes. Que là, les absences en vedette, c'est les portraits de tous ceux qui n'étaient pas aux différentes réunions politiques pour en faire arrêter. Pour l'instant, c'est ça la préoccupation de ces différentes réunions. Qui est là, on fait les comptes. Et puis, on regarde ce que j'ai fait qui s'appelle Frénésie. Alors, en 1944, à la libération de Paris, Georges Bidault, le président du CNR, le Conseil national de la résistance, et Charles de Gaulle savent que le temps presse. La difficulté n'est pas de formuler un projet de loi d'assimilation pour les quatre colonies, Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion, sous cloche avec un nouveau label qui les mettrait à l'abri des enquêteurs des Nations Unies. La question qui se pose à Charles de Gaulle, c'est d'orchestrer ce projet de loi en faisant croire aux étrangers, aux USA et aux Nations Unies surtout, que les populations colonisées sont à la base de ce projet et que la France, toujours si généreuse, va donc accepter de leur octroyer. Très bon article. Achetez Antilla, achetez Justice, achetez le Progressiste. Et puis, bon, je sais que je vais t'arracher une larme. CMAQ, saison 2014 et fin. Bon. Alors, le CMAQ a publié son programme 2014-2015. Ouais, malgré tout, tout péteux. Or, théoriquement, disparaît en novembre. Oui. Après 40 ans de bons et loyaux services. Je n'ai pas donné la liste des membres du Grand Assemblé. C'est le MIM, le PALIMA, le CNCP Appel, le PCM, le RDM qui s'était réuni. Martinique Écologie a adhéré aussi. Pourquoi c'est pas Boutrin qui est venu? C'est la partie de Boutrin, hein. Oui. Qui était représenté par Confiant ce jour-là. Avec la présence de Charles, grand événement, notre ami Mancé était là. Tout à fait, Mancé est venu. Mancé a créé son parti. Oui, mais Mancé vous a abandonné parce qu'au moment, il avait flirté avec vous, puis il est revenu là. Oui, il a déjà flirté avec vous. C'est amusant tout ça. Pourquoi? C'est amusant. Le problème, c'est la dynamique. Ce grand assemblée avait quand même 1200 personnes à Ducos. Donc, ce qui se met en place là, certes, il y a la question du projet de programme, mais c'est aussi une dynamique. Et la question de savoir qui viendra, qui sera là, tout dépend aussi de la dynamique que nous serons inscrits. Une question, est-ce que vous croyez que Nilor, qui est député, qui est jeune, va supporter que Marie-Jeanne publiquement le sermon comme ça? Vous croyez qu'il va supporter ça longtemps? Il faut lui poser la question. Ma réponse que tu es là. Non, la révolution générationnelle est en cours. Il ne faut pas se faire d'illusions. Très honnêtement, si on est à 15 ans dans le pouvoir, c'est davantage quelqu'un comme Nilor qu'Alfred Marie-Jeanne. Si on est à 15 ans. En 15 ans, c'est quoi? Je parle à court terme. Là, pour l'instant, est-ce qu'il va attendre 15 ans que chaque fois qu'il y a une réunion publique, Marie-Jeanne dit on t'a trompé, on t'a cru, on est au petit boulot, mais t'es encore là. Tu veux débuter quand même. Non, mais c'est la gestuelle classique. Non, mais est-ce qu'il va supporter longtemps cette gestuelle classique? La vie, il a du sens. Pour avoir la réponse, vous achetez Totem et Tabou de Freud, oui. Et on va vous expliquer le processus de la mort du père. Voilà. Bon, alors, l'émission nous fait savoir qu'elle est terminée. Dernière chose, les socialistes vous ont demandé d'arrêter d'être majoritaire comme ça dans votre alliance. C'est logique que les socialistes disent ça.
Ce n'est pas dire du mal d'eux. On dirait que la suite, c'est dire que les Mahiens ne va pas dire ça. Ce n'est pas dire du mal d'eux que de dire que les socialistes en Martinique sont en perte de vitesse. Ce n'est pas dire du mal, c'est la réalité. On parlait de réalité tout à l'heure. tu es directeur de publication. Mais oui, mais progressiste. Ton patron est allé à une réunion. Les socialistes dénoncent un fait réel, c'est la tendance historique du PPM à l'hégémonie. Non, mais laisse dire, c'est, je parle, je l'interroge lui. Non, mais point hégémonique, il faut exister, il faut être puissant, alors bon. Bien sûr. Le PPM a toujours dit, Michel ne peut pas contredire cela, qu'il n'a jamais été question pour lui de gouverner seul. Mais est-ce que ce n'est pas le ver dans le fruit? Toujours est-ce dit. Est-ce que en fait, les socialistes ne disent pas tout, ce que beaucoup pensent. Est-ce que votre alliance ne va pas un petit peu... Non, mais c'est le problème de toutes les alliances. Les élections à la CTM, par leur mode électoral, vont régler la question. Elles vont régler la question, parce qu'une élection régionale classique, on met qui on veut et on vote, c'est un bloc. Une élection à la CTM, c'est le poids des 6 circonscriptions, alors, donc des hommes de terrain qui va déterminer le pouvoir. Alors, et là, alors, c'est autre chose. Je réponds à ma question par le biais de ton analyse, ce qui veut dire que Serge Chimique a dit avec humilité, ce que tu as parlé de ce mot, il a dit d'accord, on va se réunir dans un mois pour discuter de ça, de cette question, ouais. Parce qu'il verra qu'il a besoin de co-socialistes, il va leur dire, allez faire un machin, un grand créole. Vous voyez, il dit ça. Vous voyez, il Madame, monsieur, madame, monsieur, on va parler politique toute l'année, vous avez bien compris. À la semaine prochaine. À bientôt.